Et salut les loulous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le TCG Pokémon Live. Alors bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour un deck qui s'appelle One Prize. Je sais pas pourquoi je l'appelais One Prize, je sais juste qu'il y a le passé. Ah si, je m'en souviens, ça y est, One Prize parce que c'est un deck One Prize. Alors théoriquement il y a un Two Prizer dedans, mais bon c'est pas le Pokémon central. Donc je vais vous présenter des nouvelles cartes. Donc déjà on utilise Rampel, vous en souvenez, je vais pas le représenter. Rampel est revenu en un exemplaire dans ce deck, ça peut servir. Donc nouvelle carte, Rugilune, donc le bébé Rugilune cette fois, donc 140 PV de type ténèbres, donc c'est très bien parce que type ténèbres c'est incroyable. Dans la méta actuelle en plus il y a plein de petits psy de temps en temps, donc faiblesse, toujours utile. Pour 2 énergies, la deuxième attaque on s'en fiche, nous ce qu'on veut c'est la première. Pour 2 énergies ténèbres, on a plumage vengeur, 70 dégâts, plus 10 dégâts pour chaque carte avec donc la petite pastille temps passé dans la pile de défausse. Cette attaque en fin de partie, elle gifle, vraiment elle gifle. Elle fait trop mal. Donc l'intérêt c'est toute la partie vous essayez de blinder votre pile de défausse. Par contre faut compter vos dégâts, c'est important. Donc on va le faire au cours de la partie, comme ça je vais vous expliquer un petit peu comment on s'y prend. Mais c'est très important. Pour le reste de la game, on a Koraidon et Koraidon ex. Donc Koraidon, temps passé 140 PV. Il a l'attaque dérouillée primitive qui inflige 30 dégâts pour chacun de nos Pokémon temps passé en jeu. Donc 180 pour 2 énergies pour un Pokémon de base, c'est vraiment très bien. Donc lui c'est vraiment un peu celui qui on essaie d'attaquer le plus possible, on va dire, le reste de la partie. Et si besoin de mettre des grosses giflasses, on a le Koraidon ex, donc 230 PV. Il a frappe représailles pour 2 énergies incolores qui fait 20 plus 10 dégâts pour chaque marqueur placé donc sur ce Pokémon. Cette attaque est pas si ouf, clairement. Mais bon, bah écoutez, c'est toujours une attaque à faire si jamais vous arrivez à atteindre des grosses stats. Et surtout, on a charge impériale, donc 1 énergie feu et 2 combats. Et on fait 280, par contre, on s'inflige 60 dégâts. Donc si vous comptez bien avec la capsule de temps passé, qui nous rajoute 60 PV, donc on a 290, mais après avoir fait notre attaque, on retombe de nouveau à 230. Ce Pokémon est cool. Si vous pouvez choper un one-shot et dans l'optimal, enfin de façon optimale, ce serait de ne pas mourir après. C'est pas le Pokémon qu'on utilisera le plus, mais des fois, ça permet de nettoyer un peu, quoi. Voilà. Et je voulais absolument mettre les deux ensemble de Koraidon avec le Rugilune. Je voulais ces cartes-là ensemble. Tant pis si c'est moins efficace, puisque la version de base, c'est plutôt avec plein de Pokémon de temps passé. En fait, c'est plutôt une box, on va dire. C'est plutôt un deck box, normalement, c'est-à-dire avec plein de petits Pokémon différents. Voilà. Bref, donc dans les nouvelles cartes, je vais vous présenter, donc on a le tambour d'éveil qui est une nouvelle carte high-tech. C'est un objet, temps passé évidemment. On pioche une carte pour chacun de nos Pokémon temps passé en jeu. Voilà, tout simplement. Donc si on a 6 Pokémon, on pioche 6 cartes. C'est super, c'est un super objet vraiment incroyable. Honnêtement, il est vraiment bien. On utilise Quencha pour poser des Pokémon. Je vois qu'aussi on a le guide d'exploration, donc ça c'est une nouvelle carte. Regardez les 6 cartes du dessus de notre deck, de votre deck, mais du coup c'est de notre deck, on regarde, excusez-moi. Puis ajoutez 2 d'entre elles à votre main et on défausse les autres. Donc pour défausser justement, c'est bien ça. Ça nous aide à mettre encore plus de cartes dans la défausse, ce qui nous permet donc par la suite d'utiliser Vitalité de la Prof Olim qui date de l'extension d'avant, qui nous dit choisissez 2 Pokémon temps passé en jeu, donc les nôtres bien sûr, et on attache à chacun d'entre eux 1 énergie de base de notre pile de défausse. C'est une des cartes essentielle dans tous les decks de temps passé, puisque non seulement on pioche, mais surtout on attache de l'énergie en la recyclant, donc c'est excellent, c'est une excellente carte, j'adore cette carte. Voilà. Et on pioche 3 cartes. En plus de ça, je vais faire juste une petite modif. J'aimerais bien avoir un petit pepper quand même dans ce deck. Là, je suis en train de me dire, un petit pepper, ça fonctionnerait bien. Donc un petit pepper, et à la place, on va s'enlever une chaussure de randonnée. Voilà, c'est tant pis pour la chaussure. Mais voilà un petit peu le rendu. Bah écoutez, on n'a qu'une seule méga canne. Ça peut être un peu risqué, mais bon, bah ça fonctionne plutôt bien. 4 Pokématos, puisqu'on n'a rien pour piocher, et on veut essayer de choper le plus souvent possible la vitalité du Prof Olim, donc voilà. Allez, on se retrouve in-game. Allez, on y va pour la première game. Donc un peu comme le deck que je vous ai présenté la dernière fois. Donc je suis en ranked encore. C'est un peu moins fort, puisque je suis moins bon que ce deck, on va prendre pile. On espère également ne pas commencer, puisque commencer, ça nous arrange pas vraiment. On peut se permettre de jouer en second, ça nous fait un supporter à utiliser, potentiellement une attaque, potentiellement un bon setup rapide et tout, donc faut profiter de notre avantage. Bon, bah on joue en premier. L'adversaire joue un deck psy, est-ce qu'on va pas se taper justement le pomme de fer turbo? Ça va être insupportable si c'est ça. Ah, ça va être trop chiant. Je déteste pomme de fer parce qu'il ruine tous les single prizes. En plus avec le boost de chef de fer, c'est un enfer à jouer maintenant. C'est trop chiant. Et mais je suis sûr on va tomber contre ça. Voilà. Je vous l'ai dit les loulous, je vous l'ai dit. Et à mon avis, je pense qu'en ranked, la personne en face va pas se gêner pour jouer justement le pomme de fer ex quoi. Clairement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a Rampel aussi, hein. C'est un type combat qui permet du coup de taper sur la faiblesse. J'essaierai de le placer juste au tour d'après, si mon adversaire me laisse le faire bien sûr. On n'a pas attaché d'énergie, ça c'est un peu dommage. On a le guide d'exploration que j'ai pas pu utiliser, ça fait un peu mal. On va voir, on va voir. En tout cas, il faut que j'aille me récupérer mon Rampel. C'est vrai que j'aurais peut-être dû le mettre avant plutôt que Rugilune. Rugilune, il y en a 4 en plus dans le deck. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, faut profiter d'essayer de choper sa faiblesse aux pommes de fer. Je vais essayer de l'éliminer rapidement parce que je suis sûr que mon adversaire va jouer pomme de fer. En général, c'est pas très... Dites-vous que quand vous lancez le bouton classé, vous ne tomberez jamais contre des decks originaux. Ça m'embête un petit peu, c'est tout. Parce que du coup, bah, je vais me faire un peu défoncer la gueule. Faut que j'aille taper ce pomme de fer, là. Allez, 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 il me faut de l'énergie, guide d'exploration, j'en sais rien, peu importe. Donnez-moi des bonnes cartes, là. Allez, on envoie la sauce, on envoie la sauce. Qu'est-ce qu'on me donne, là ? Urne terrestre. Ah, ça c'est une bonne carte ça. Donc déjà on met le Rampel. Voilà, pour aller calmer l'autre couillon en face. On va faire guide d'exploration. Ok, donc j'ai chopé... Ouh, il y a plein d'énergies différentes. Qu'est-ce qu'on se récupère? Déjà la méga canne à mon avis, il faut éviter de la perdre. Et l'urne terrestre, on va la prendre. De toute façon, ces 3 énergies, ça nous arrange qu'elles soient dans la défausse. Puisque derrière, si on se fait une professeur Olim, ça peut être très très puissant de taper avec derrière. Je prends 2 combats. Je pense de toute façon que je vais être mis KO par pomme de fer. Pomme de fer, là, il tape à... Il a combien? Il a 40 dégâts de plus. Donc là, ça fait 160. C'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je pourrais pas y résister, à moins de mettre mon Koraidon ex. Mais Koraidon ex, c'est pas une bonne idée, puisqu'il peut aussi me le mettre KO en un coup, peut-être avec un autre Poké. Je vais tenter un coup de bluff. Non, non. Non, je vais mettre sur... Il faut que je chope la prof Olim après. Alors, dit comme ça, c'est chelou, hein. Mais il faut que je chope la carte professeur Olim. Alors très attention, hein. Contrairement à son deck à lui, à mon adversaire, on a un problème, c'est-à-dire que l'aspirateur perdu, si en face l'adversaire le joue, c'est plus fort que nous si on lui enlève son item, c'est-à-dire que moi je vais augmenter mes PV. Donc si je prends par exemple 140 dégâts, oh putain il m'a mangé ma main, donne-moi Olim, et j'ai pas la prof Olim, merci le jeu. Ah voilà, je suis foutu là. Là je suis cuit parce que je reposais tout sur mon Pokématos, et là il va se barrer là, saligo. Et il va prendre 2 cartes récompenses. Oh, c'est trop chiant. Vous savez, pomme de fer, à quel point j'ai de l'affection pour cette carte. Je la déteste. Et en plus, il a fallu que ce deck en face la rende plus puissante. Ah, oh, c'est horrible. Allez, 280. Allez, multi-beaucoup. Allez, multi-beaucoup. Récupère tes 300 cartes récompenses. Faut savoir qu'il y a un nouvel outil qui permet de déplacer... Alors, si un Pokémon a 4 en coup de retraite, ce Pokémon, quand il est KO, peut déplacer 3 cartes énergie vers les Pokémon de banc comme il veut. C'est ultra bien. Donc oui, je reviens à mon item. Si je me prends un... Regardez, vous voyez, j'augmente mes PV. Si, par exemple, je m'inflige moi-même 230 PV ou si j'ai subi 230 et que mon adversaire fait l'aspirateur, je serai mis KO juste à cause de l'aspirateur. Donc ça, il faut faire attention parce que c'est hyper dangereux. Ça peut vraiment... Oh, j'ai attaché la mauvaise énergie. Mais je le fais exprès ou quoi d'être débile, en fait. Non, mais là, en fait, je viens de sceller mon destin en faisant ça. Mais putain, mais quel con. Je vais mettre sur Rampel. Quencha. Hop. Putain, Koraidon. Oh, je suis trop bête, je suis trop bête. Ok, on a plein de cartes, je vais faire ça et ça. Ok, on commence à préparer du Rugilune, mais c'est surtout Rampel, le problème c'est que là, là je suis pas bien là. Ouais, l'autre derrière il a son objet. Je garde mon aspirateur perdu, tambour d'éveil. Bon, j'ai fait une grosse connerie en mettant une énergie ténèbres. En vrai, si je bats en retraite, c'est pas grave. Il faut juste que j'arrive à récupérer Prof Olim. Ah putain, il me faut une énergie combat aussi, du coup j'ai tout perdu là. Énergie combat, j'en ai que 5 dans le deck, je crois. Donc là, malheureusement, vous voyez, ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Aïe, 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 aïe. Allez, attrape ultime. Vas-y, récupère encore un kill. Donc là, il va mettre son Miraidon, il va battre en retraite, il va me remettre KO en un coup, 2 cartes récompenses, voilà, c'est débile. Ah, faut pas s'attendre à quoi que ce soit, hein. C'est complètement débile ce deck. Je le déteste. Je pense que là, on peut pas faire plus clair que ça. Hein. C'est un enfer. C'est juste un enfer, en fait. Parce que là, derrière, décodage de Décryptoman, ouais, bah ça, c'est une super carte aussi. Bah écoutez, c'est pas une super game, hein. Je me serais pas régalé sur celle-ci. Mais bon, bah c'est comme ça, hein. Après, malheureusement, ce deck est très méta. Et très nul aussi, du coup. Très très chiant à jouer. Ça me donne envie de jouer Dracofeu, juste pour l'emmerder, ce deck. Mais le problème, c'est que même Dracofeu, il peut se mettre KO en un coup, vu qu'il est type électrique, avec Roue Carnage. Et en fait, il est chiant tout court, ce deck. Insupportable. Voilà, vas-y, fais-moi ton truc qui fait 100, 180, là. Vas-y, voilà, c'est rigolo, ça. Enfin, 160. Mais 160. Quel One Prizer suivi à 160, en fait? Aucun. Bah si, un niveau 2, mais tu vas pas jouer un niveau 2. Si t'en as pour 15 tours à le mettre en jeu, c'est bon. Alors, bon, bah on prie, Pokématos. Ah bah j'ai pas eu de chance. Voilà, allez. Bah tambour d'éveil, faut prier encore, hein. Ouf, voilà, j'ai eu, c'est bon. Bon, ça sert à rien que je mette des Pokémon sur mon banc, mais je vais quand même le faire. Vitalité de la Prof Olim. Tac, tac. Donc j'aurais même pas pu attaquer que... Oh, c'est triste. Oh, j'aurais voulu attaquer que mon bébou, là. Aspirateur perdu. Hop. Je vais virer... Qu'est-ce que je vire? Vas-y, une énergie feu. De toute façon, j'attaquerai pas avec mon gros. Et puis, aller dans la tuile des fosses, l'autre. Voilà, je lui baisse sa vie. Derrière lui, je lui mets... Urne terrestre pour augmenter les dégâts. Koraidon, ça dégage. Moi, je récupère les 2 énergies, de toute façon... Voilà, au moins je blinde la pile de défausse de cartes anciennes, même si c'est déjà un peu fini, j'ai envie de dire. Parce que là, regardez, je vais lui faire 90, voyez. C'est compliqué, là. Hein. C'est compliqué. Tac. Très difficile, hein, comme partie. Hein. Et en plus, Prof Olim, j'en ai utilisé qu'une seule, donc je suis large. On va essayer de battre en retraite notre Rampel. Bah, comme on peut, hein, surtout, parce que là, ça va pas être simple. Hein. Faudrait mettre KO celui-là, là. Avec un ordre du boss ou quoi, mais ça me paraît un peu complexe. Parce que là, derrière, lui, il va faire son attaque. Il peut me mettre... là, il fait 100. Ah, il faut 110 pour me mettre KO, regardez. Ah non, il a garde de fer ex. C'est vrai que le deck... Ah oui, parce que c'est vraiment, il y a le garde de fer. Putain, mais c'est vraiment... mais bon, après, c'est pas grave, hein. Enfin, après, je dis ça, mais il s'amuse très bien, hein, à gagner. Juste qu'il a écrit gagner, c'est vrai que c'est amusant, quand même. J'adore. J'adore quand je pars en mauvaise foi comme ça. Aïe aïe. Ah non mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Voilà, pomme de fer, il me refait ses 150 000 dégâts. Parce qu'il a eu trop de chance avec son générateur aussi, bien sûr. Aïe aïe aïe, c'est compliqué hein, les loups. C'est compliqué hein. Mais c'est la meilleure version du deck, donc il a raison de jouer ça, hein, s'il veut gagner après tout. Voilà. Allez, bon bah, seconde partie les loulous, c'est parti, lol. Allons-y pour la deuxième partie. Bon, alors du coup, première game un peu complexe, j'espère tomber quand même sur un autre deck, parce que je sais que celui-là est pas mal joué, avec Dracofeu. Malheureusement, c'est vrai que je joue en classé, je devrais peut-être pas jouer en classé, donc on préfère évidemment ne pas commencer. Le problème de jouer en classé, c'est vrai que c'est que du coup ça limite un peu notre plaisir de jeu dans le sens où on va tomber que contre les mêmes trucs un peu méta. Peut-être pour la prochaine vidéo je rejouerai en décontracté, en casual parce que là ça va être... Ah, Lugia VSTAR. Qu'est-ce que ça va donner Lugia VSTAR? J'ai pas de force contre ce deck, je vais quand même mettre Rampel, voilà. Rampel me permettra de mettre KO Pashmilla en un coup. De toute façon, Pashmilla, il a que 140 PV, donc... Non, 110, je crois. Bah, c'est bon, en fait, il aurait KO. Ok, Que-Notor. Quoi? Que-Notor? Attendez, mais dans Lugia VSTAR, il y a Que-Notor, maintenant? Ok. C'est peut-être une variante avec Castorno, pardon. Ah, remarque, pour piocher, c'est vrai que c'est utile. Mais je pensais pas qu'il y avait une variante Castorno, ok. Oh, c'est intéressant, hein, comme quoi on en apprend. Hein. Je vais me mettre un max de PV. Paf, on va se mettre du Pokémon sur le ban. Du Koraidon, et puis on va continuer, hop, et je vais regarder mon deck, hein, vous en faites pas. On va mettre le Koraidon ex, il peut mettre KO quand même, un gros Pokémon, donc je vais le faire. Et je vais regarder mon deck avec la dernière, paf, alors, donc déjà on va mettre lui, puisque de toute façon mettre Rugilune pour le moment, je n'aurai pas de force dessus en plus. Ok, on a 3 Olim, ça c'est important, un ordre. L'aspirateur, les Faiblous, elles sont là. Les Pokématos, j'en ai 3. Donc il y en a un qui est là-bas. Le tambour, les énergies. Ok, ouh, de la ténèbre, j'en ai 2 sur les récompenses du coup. Bon, c'est pas mal, là on a bien bench, on a 4 pokés sur le banc, on est bien là. Ce qui serait cool, c'est de pouvoir attaquer quand même avec ce gros Koraidon, faire un petit KO sur les VSTAR à 280 PV pile poil, ça ferait plaisir ça. Aspico, ok, donc ça joue un Dardargnan, mais alors lequel ça joue de Dardargnan? What? Qu'est-ce que c'est ce deck? Mais c'est trop bien. Ah, je pense que notre adversaire a dû trouver une... Alors, soit c'est une variante propre qui teste, soit en tout cas, on a enfin, notre adversaire joue une variante un peu unique, avec une... un certain plan, on va dire. Je pense qu'à mon avis, c'est un Lugia Box, c'est-à-dire ça doit être vraiment une variante un peu sombre, pas connue. Ça, c'est cool, ça. Parce que vraiment, je sais pas ce que c'est, en fait, en face. Donc, je l'empêche de... Ah, ça, c'est dommage, il aurait pas dû mettre son chinchibou, du coup, il le perd. Il pourra pas faire son appel à la famille, en fait. C'est dommage, ça. Parce que l'appel à la famille de ce Chinchidou est quand même bien, parce qu'on regardait 2 Pokémon de base sur le banc. Hein. Donc je sais pas ce que c'est son deck exactement, mais ça l'aurait bien aidé, je pense. Parce que là, visiblement, c'est un Pashmilla avec l'énergie inversion, en fait. Pashmilla inflige 70 dégâts, pas pour chaque énergie spéciale, pour chaque carte énergie spéciale. Donc j'espère que mon adversaire a bien lu, pour pas être déçu. Parce que là, sinon, ça va être un... Ok, aiguille de Nadir. Si vous n'avez aucune carte dans votre main, cette attaque inflige 120, et votre adversaire est paralysé et empoisonné. Ah ouais. Donc là, s'il met une double turbo, il me fait 130, il me paralyse et empoisonné, donc 140, plus la paralysie. Ça peut être très dangereux, effectivement. Putain, c'est pas mal comme Pokémon, ça, c'est rigolo, ça, le Dardargnan, là. Évidemment, il suffit d'un simple échange pour que bah, ce soit terminado, quoi. Oh non, non, pas mon Koraidon ex, le pauvre. Oh, pas gentil, là. Vilain. Bon, bah, je suis bloqué. En vrai, j'aurais pu mettre l'énergie sur mon Koraidon, et dans tous les cas, j'aurais pu faire 20, mais de toute façon, je sais pas si ça aurait été une bonne idée. Quoique après, avec Vitalité de la Prof Olim, j'aurais rattaché mes énergies et pioché, ouais. T'as fait une erreur, mais là, dans tous les cas, on est en top deck, donc ça va pas être compliqué, ça va être la chance, le bonheur, la chance. Ça va être bonheur, la chance. Il y a du Shinshidou, le Que-Notor, il est bloqué sur le poste actif, ok. En tout cas, j'espère, ouais... Que... Ah, double turbo. Ah, ok. Donc ouais, ça va mettre le... Donc là, il a toujours des cartes en main, l'adversaire. Je pense qu'il va falloir une hyperbole. Transpercement. Ah oui! Comment ça, transpercement? C'est quoi? Ah mais il joue là. Ok, j'avais pas vu. C'était une néo-énergie sup. Putain, je voyais pas. Je croyais que c'était une double turbo en bas, le symbole. Ah mince. Ah bah du coup, là, il peut me mettre KO, là. Ah, c'est pénible. Par précaution, je vais mettre une énergie sur lui. J'aurais dû le faire, vous avez vu, j'aurais eu de la chance en fait. J'aurais pu piocher les deux et le battre en retraite. Mais j'ai fait une connerie. Après, c'est aussi aléatoire, donc même si j'avais mis et que j'avais pas pioché une énergie, bah vous voyez, ce serait pas passé en fait. Mais c'est vrai que dans le cas de figure où j'aurais pu repiocher une énergie, j'aurais dû le faire. Donc voilà, vous voyez, l'énergie inversion, c'est une erreur ça. Parce que normalement, il y a bien écrit carte énergie sur le Pashmilla. Bon, je suis pas KO. Petite énergie là encore. Aspirateur perdu. Bah je vais pas pouvoir enlever grand chose avec ça. Remarque, je peux l'empêcher de... Ouais, mais je dois supprimer une carte, en fait. Bon, j'attends. J'attends, de toute façon, j'ai Vitalité de la Prof Olim, donc derrière, c'est pas mal. Par contre, lui, il prend 2 cartes récompenses. Théoriquement, moi, je vais être en égalité avec lui. Voilà, transpercement. En tout cas, c'est intelligent de jouer Dardargnan, parce que, vous voyez, comme il est type plante, s'il s'y prend bien, il peut faire 300 en un tour. Malheureusement, avec le poison, il peut pas one-shot drac au feu. En tout cas, c'est pas bête. Enfin, c'est pas... Franchement, c'est pas mal, je trouve. C'est rigolo. Par contre, le Pashmilla, je pense qu'il va être déçu, mon adversaire, quand il va se rendre compte que... Bah, qu'en fait, il peut pas poser le Pashmilla avec la triple énergie, en fait. Enfin, ça fera pas, genre, 210. Ça fera bien que 70. Je sais qu'il va être déçu, mais bon, bah... Comme ça, hein, les loups. Est-ce que je me ferais pas plutôt un guide d'exploration, en fait? Voilà. Et ben, j'ai pas du tout défaussé de cartes que je voulais, en fait. Je voulais surtout pas défausser ça. Bah, je suis bien déçu, du coup, parce que je voulais défausser de l'énergie, surtout. Je vais mettre ça à lui. Ah, putain, ah, non, et non, putain, je suis faible type plante. Bouffon. Bon, vas-y, go. Voilà, je le mets KO. Impeccable. Un KO facile. Une carte récompense, pardon. Tac, je décale ça. Impeccable. Donc là, l'adversaire a son énergie inversion qui ne fonctionne pas étant donné qu'on est égalité. Et que ce n'est pas un Pokémon évolutif. Néanmoins, il peut utiliser Appel à la famille avec. Il peut utiliser puisque de base, elle fournit juste une énergie incolore. Donc en soi, ça fonctionne. Mais vous allez voir, on va relire la carte Pashmilla, et il me semble que c'est bien écrit carte énergie spéciale. Et ça c'est une nuance qui est très importante, puisque quand une carte vous dit défausser jusqu'à 2 énergies, vous pouvez défausser une double turbo. Si la carte vous dit défausser 2 cartes énergie, c'est 2 cartes énergie, peu importe que ce soit des doubles turbos. Ça c'est une nuance qui est assez vicieuse, mais très importante du coup, puisque ça change absolument tout, quoi. Voilà. Des fois, c'est vrai que c'est pas... Il y a des cartes qui sont pas claires, hein. Vraiment, il y a des cartes qui sont pas claires. Je sais que moi, ça m'est arrivé récemment, là, où, justement, on s'entendait pas très bien sur qu'est-ce que la carte fait exactement. Mais bon, bah, c'est comme ça, hein, après. Alors, je vais faire Urne terrestre. Je vais faire ça. Alors, en face, on a... Paf, voilà. Ce qui serait marrant, ce serait de défausser un peu de cartes, là, quand même. Donc, je vais mettre à lui. Je vais défausser mon Rugilune classique. Et je vais prendre de l'énergie, là. Voilà, j'aimerais bien quand même attaquer Koraidon, parce que là je vois qu'il y a Lugia qui commence à arriver. Ce Koraidon, il pourrait faire très très mal. Allez, 180. Dérouillée primitive, donc là je lui ai mis une dérouillée. Malheureusement les énergies triples vont s'activer. Mais là vu que c'est Lugia, ça change tout. Puisque je pense que le Pashmilla était bien voué à être joué avec, Lugia. Par contre c'est vraiment bizarre parce qu'on a... le Dardargnan, alors le Dardargnan il peut fonctionner du coup, puisque l'énergie spéciale sont quasiment tout incolores, donc il n'y a aucun souci pour sa première attaque. L'énergie sup, néo sup, bah du coup elle fonctionne aussi. Et je vois qu'en plus il joue le laisse tomber ex, qui permet donc, si vous jouez en premier, vous pouvez utiliser cette attaque. Cherchez dans votre deck 3 Pokémon de base, puis placez sur votre banc. Le problème c'est que c'est si vous jouez en premier. Mais du coup là, il joue pas en premier en fait. Du coup ça fonctionne plus cette attaque. Et comme il a 1 en retraite et que 200 PV, c'est une cible assez fragile. Et là je vois qu'il n'y a pas d'aéroptérix. Tout à l'heure j'en ai pas vu. Donc à part pour reposer du Chinchidou sur le banc, il va pas pouvoir poser grand chose avec son VSTAR. Là on est vraiment tombé sur un deck vraiment chelou, hein. Là c'est vraiment un Lugia mais bizarre. C'est vraiment le Lugia unique pour le coup. Bah là c'est vrai, franchement je suis content dans un sens, c'est que au moins le deck est original. Le problème c'est que mon adversaire a l'air de jouer un deck qui visiblement fonctionne pas très bien, ça galère un peu quoi en face. Genre il y a du setup, il y a beaucoup de setup, il y a plein de Pokémon différents et j'ai pas l'impression qu'il y ait une vraie synergie entre les cartes quoi. Ce qui est quand même assez important mine de rien pour qu'un deck fonctionne. On va faire guide d'exploration. Alors, on récupère Olim et le Rugilune. Tout le reste à la poubelle. Voilà, 3 machins dans la poubelle, on s'en fout. J'ai combien de cartes là dans la défausse? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, je fais 170 avec mon plumage vengeur. Ok, je le mets pas KO. Lui, il a une résistance combat, faiblesse électrique, c'est logique, c'est un type vol. Allez, dérouillée primitive, malheureusement, je ne le mets pas KO. Mais j'ai un ordre du boss, donc en vrai ça se fait. Là j'ai juste à mettre KO un One Prize et espérer choper un... Enfin garder mon ordre du boss pour choper un autre Pokémon, genre le laisse tomber que je viens d'affaiblir par exemple. Ça pourrait être une bonne cible. Sachant que quand je perds Koraidon là, ça me rajoute 2 cartes temps passé. Hein, parce que regardez, la capsule est attachée, c'est une temps passée. Et lui aussi c'est temps passé. Donc si lui il est KO, je fais 20 dégâts de plus avec mon Rugilune, hein, ça veut dire. Derrière. Donc c'est... Tout fonctionne un peu comme ça, en synergie. Je trouve que c'est génial, j'adore ce deck. Je le trouve vraiment bien. Mais là, mon adversaire, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très difficile pour lui. Recherche rapide. Ah, ça fonctionne du coup? Transporteur rapide? Il y avait écrit recherche rapide, je crois. Non, j'ai mal lu. Dites-moi qu'il y avait bien écrit transporteur rapide. Donc ça fonctionne si vous jouez en premier, pendant votre premier tour. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Recherche rapide? C'était quoi qui a fait recherche rapide? Ah non, c'était Quencha. Mais non, mais il a posé ça. J'ai pas compris. C'est quoi qu'il a mis? Énergie cadeau pourtant. Qu'est-ce qu'il a fait mon adversaire? Recherche rapide, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est que ça sort d'où cette connerie? Ok, non mais... Il y a des trucs qui sont créés là, parce que c'est pas normal. Hein. Je vais attacher une énergie à... Allez, on va faire ça. Donc je vais défausser Rugilune et une Faibleball. Un Koraidon comme ça, parfait. Voilà. Donc là j'ai rempli un petit peu ma défausse. J'ai 180. Je peux faire combien? Ah, je peux pas faire plus. Là je fais... Et ouais. Ah, remarque, je peux retraite et taper avec un ordre du... Non, je peux pas. Ah si, attendez. Là je fais combien? Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc je fais 180. Ah, c'est tout? Ah ouais, non, bah je vais attaquer avec lui. Hein. Allez, vas-y, on s'embête pas. Hein. Ah, du coup, ça active la cadeau. Il va avoir 8 cartes en main, l'adversaire. Voilà. Mais nous, on est à une seule carte récompense. Hein. On est clairement bien. Hein. Clairement bien. Ah, du coup, on n'aura pas attaqué une seule fois avec Rugilune, c'est un peu triste. C'est vrai que le Koraidon, il aura fait toute la game. Après, Koraidon, comme vous voyez, hein, le Koraidon qui tape quand même 180, ça touchote quasiment tout le jeu. 180, même avec 150, si jamais on perd un Pokémon de banc, si on fait que 150, plus 180, ça fait 330, donc ça tue la majorité des Pokémon ex, même de niveau 2. Donc, c'est costaud, quoi. Et 150 x 2, ça fait 300. Et donc on élimine tous les VSTAR quasiment et tous les Pokémon ex de base ou les Pokémon ex niveau 1. Donc en vrai on se met très bien. Hein. Koraidon il est très fort. Hein. Je trouve que c'est un excellent deck. D'ailleurs la variation de base, comme je vous le dis, le Koraidon ex il est pas censé être dedans en fait. C'est juste moi qui l'ai rajouté parce que je trouve qu'il est rigolo et de temps en temps mettre une grosse tarte à 280 c'est rigolo. Enfin rigolo c'est relatif. Mais voilà, Aéroptérix est enfin en jeu effectivement avec le Cormier tout à l'heure, là j'ai vu il y a eu le combo. Donc ça c'est cool. Choisissez une carte et défaussez les... Ouais voilà c'est ça, défaussez les autres. Ah, on va se faire attaquer un peu là avec Lugia. Bon attention quand même. Après, je pense pas que Lugia, de toute façon, va pouvoir nous être une grande menace, puisque Lugia tape 200 actuellement, je crois. Parce que là, c'est quoi? C'est de l'énergie thérapeutique et garde V, donc ouais, c'est... C'est Pashmilla, le vrai danger en face. Pashmilla qui peut taper très fort. Effectivement, la Pashmilla, il tape 70 actuellement. S'il lui attache 2 énergies de plus, 210. Parce que ça fait, 100... enfin, ça fait 70 par énergie spéciale, donc... Ouais, pile 200, on s'est pris dans la gueule, là. Allez, je vais tenter de faire un truc avec lui. Je peux peut-être gagner comme ça, hein. Ça peut être un peu... Alors là, je fais 200. Si j'utilise recherche, je défausse. Donc 200, 210, 240, 250, 260... J'aurai 260 dégâts, du coup. Ouais, je peux pas le one-shot, même avec la recherche professorale, en fait. Donc je vais poser lui, plutôt. Et je vais faire, genre, ça et ça. Tac, 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 tac. Voilà. Je lui mets une énergie combat et eh ben tant pis, on va taper 210. Ça va l'affaiblir un petit peu comme ça. Et comme ça, si au cas où il met l'autre, eh ben je fais mon ordre du boss pour dans tous les cas éliminer un des deux quoi. Donc en vrai, vous voyez le Koraidon ex, il est même pas disponible. Là, ça aurait été incroyable si j'avais le KO avec le Rugilune là. Parce que avec la recherche professorale, j'aurais pu dégoter pas mal de dégâts. Mais malheureusement pas assez. C'est un peu dommage. Ouais, parce que là du coup, je lui fais 210, 220... 30, 240, 250, 260. Ouais, c'est bien ça, j'avais bien compté. Hein. Je peux pas faire plus pour le moment, ouais. C'est dommage. C'est dommage. Eh oui, très cher, c'est dommage. Trop débile, le gars. Bah ouais, c'était sûr qu'il allait switcher de bébou. Mais là, du coup, il m'a fait quoi? Il m'a fait comme Cormier encore? Non, il a pas refait un Cormier. Et non, il a pas fait de supporter. Donc la machine serait un très bon move pour lui, je pense. Jacques. Avec autant de cartes en main, je pense que mon adversaire se doute que je vais pouvoir avoir une réponse. C'est un peu cuit là pour l'adversaire, hein. Là je vous dis... Peut-être s'il me met un Pashmilla, mais comme il vient de retraite avec son Lugia, s'il me met Pashmilla, bah il va pas pouvoir attaquer en fait. Enfin il va juste pas pouvoir me mettre Pashmilla en fait, puisqu'il a déjà fait une retraite. C'est dommage, il aurait dû mettre son Pashmilla. Après il me reste qu'une carte récompense, donc dans tous les cas c'est vrai que... Autant essayer de tanker avec Lugia finalement, ouais c'est pas bête. Ouais, parce qu'il pourra pas... Il a 3 cartes récompenses qu'il lui faut, donc je pense que ça va être un peu complexe. Aéroptérix, comme il a déjà fait le VSTAR, pourra pas en reposer un d'Aéroptérix en jeu. Il devait lui rester que ça dans le deck. 200 piles, effectivement. Bon, ça c'est chiant, mais bon, bah, comme ça. Allez, on met le gros Koraidon et on va mettre une grosse Bastos. Allez. 280... Ça fait mal, hein. Bah, c'est à ça qu'il sert, hein, à mettre KO, justement, facilement, certains VSTAR et tout. Si vous jouez la ceinture maximale dans ce deck, ça peut être très fort aussi, pour atteindre des grandes valeurs des grandes valeurs de dégâts. Mais le tambour est aussi sympa, donc les deux s'équivaut, quoi. Le tambour fait piocher, et il est unique au temps passé, donc je préfère le mettre. Allez, on se retrouve pour l'outro. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, les loulous. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à mettre... si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'hésitez également pas à aller voir la chaîne principale, parce que ça me ferait plaisir. Un peu de pub, comme d'habitude. Chaîne principale, Discord en description, vous pouvez regarder tous les liens, j'ai mis tout ce que vous pouvez essayer de chercher. Si vous voulez me contacter, c'est via Discord. Passez une excellente journée, on se retrouve mercredi prochain. Et moi je vous dis, salut!